Bon, alors je vous explique la problématique. Voilà. Donc pour capturer la PS1, c'est simple. Alors je pourrais filmer l'écran comme ça. Hein. Vous me direz, voilà, bah, regardez ce genre de qualité. Est-ce que c'est une qualité acceptable ou pas? Bien sûr, je pourrais filmer comme ça. Et je vais vous dire un truc. Je me ferai certainement moins chier que la façon dont je vais essayer de le faire. Donc ce qu'on va faire, on va profiter de cette petite vidéo. Déjà, je vais vous expliquer ma problématique. Et vous allez me dire, hein, on va dire, qu'est-ce que vous préférez si c'est comme ça, c'est-à-dire filmer directement sur l'écran à l'arrache, à l'ancienne, ça fait authentique, artisanal, fait maison, ou alors de la vraie capture. Alors, la vraie capture, ça va être... donc, je vais vous montrer. En fait, à la base, je voulais capturer par la PS2 les jeux PS1. Donc, comme vous le savez, il y a une rétrocompatibilité entre la PS2 et la PS1. Il n'y a pas de souci, je fais tourner mes jeux PS1 sur ma PS2, c'est très très bien. Mais il y a un petit problème, c'est que mon boîtier de capture ne capture pas le signal venant des jeux PS1. Il capture très bien les jeux PS2, mais il ne capture pas les jeux PS1. Je crois que c'est une question de signal, de format du signal ou quelque chose comme ça. Donc regardons les choses plus en détail. Donc ça, c'est ma PS2 japonaise. Alors attendez, vous voyez pas bien, mais moi j'utilise, regardez, ce petit boîtier là. Ah putain, mais... oh, c'est le bordel. Ce petit boîtier là, voilà, qui permet de convertir le signal de la PS2 en HDMI. Oh, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne à peu près. Oh, putain, excusez-moi pour le bordel. Mais comme je viens de vous l'expliquer, je ne peux pas. Donc du coup, ce que je fais, je vais faire tourner mes jeux sur une vraie PS1. L'installation est vraiment précaire, vous me l'accordez. Donc qu'est-ce qui se passe? J'envoie mon signal à la télé, mais en fait, pas directement. En fait, avec ce petit merdier, je ne sais pas si j'avais déjà montré. Donc ça, c'est mon boîtier de capture. En fait, je dédouble. En fait, je capture le signal en composite. Bon, ce qui n'est pas terrible, mais bon, c'est mieux que rien. Et je dédouble tous les signaux tout simplement parce que le boîtier à la base n'a pas été prévu pour que je puisse avoir un retour. Parce qu'en fait, alors on va le voir sur mon écran. Si on regarde mon écran, je filme très mal, je suis désolé. Si on regarde sur mon écran, en fait, il y a un décalage. En vérité, il y a un décalage avec ce que je vois là-bas. Donc je ne pourrais pas jouer en fait sur mon écran de capture, ce n'est absolument pas possible. Donc par ce petit trafic là, on va dire que j'arrive à avoir un retour sur lequel je peux jouer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer une image composite, hein, tout simplement, et on va comparer avec la capture directe sur l'écran. Alors, pour faire ce peu, hein, on va dire qu'on va utiliser ce jeu comme victime. Hein. Donc on a déjà vu la capture par l'écran. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je capture. Donc là, je suis en train de capturer. Je suis en train de capturer. Hein. Je suis en train de capturer mon signal composite. Ah ouais, d'accord. Là, j'ai l'impression qu'en fait, le signal, la capture, elle est assez sombre, en fait, beaucoup plus sombre. Attendez, on va tenter un réglage. Ah,
Allez, là j'ai tenté un petit réglage en fait. Je sais pas si ça a amélioré l'image, mais ce que j'ai tenté de faire là, j'ai tenté de faire un réglage en fait dans le logiciel de capture directement parce que je trouvais que l'image était un petit peu sombre. Donc voilà, donc. Voilà, bon, le but c'était pas de, de bien jouer, hein. Parce que là, on va dire, c'est un peu raté. Parce qu'en même temps, je regarde mon logiciel de capture et. Et c'est pas facile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, j'arrête ma capture ici. Et maintenant, ce qu'on va faire. Allez, je capture directement sur l'écran. Voilà, là je suis en mode capture d'écran. Ce serait mieux si on voit tout l'écran. Oh, je sais pas, après il faut me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vais me faire ma petite idée. Et puis on va choisir ça. Vous allez me dire, t'aurais pu prendre le même niveau. Ouais, certes, mais non. On va s'arrêter là, hein. On va voir si c'est probant. À bientôt, les amis.